victoire à Pont-de-Rouen depuis le temps qu'on l'attendait. On n'a jamais réussi à prendre de victoire à Pont-de-Rouen, mais ça fait vraiment plaisir, surtout pour le championnat, ça va faire du bien effectivement. Ouais, il nous reste 4 points à rattraper. Donc on travaille, on va essayer de récupérer ça le plus vite possible. La mauvaise perf de Nico, Bezard va nous aider forcément. Mais ouais, on va encore travailler, il y a du niveau en Détroit et on a encore besoin de travailler. Il manque juste les essais libres. Mais sinon, pour ma première victoire, premier aux qualifications, premier en demi et premier en finale, c'est que du bonheur, quoi. Ah ouais, là je suis vraiment très contente. Là c'est la cerise sur le gâteau, on va dire, de l'évolution de ce qu'on a pu faire ce week-end. Ça, c'est vrai qu'on l'attendait, mais on ne s'attendait pas non plus à une victoire. On voulait déjà atteindre le podium. On a eu des petits soucis avec la voiture en début de saison. Donc là, elle fait vraiment du bien à tout le monde, à l'équipe en général, quoi. Et aux mécanos aussi, parce que je leur en ai fait baver pas mal. Well, there's no problem. If you had a gun, shoot him in the head. Ah oui, complètement. Bah, on venait chercher, c'est ce qu'on venait chercher, hein, les 41 points. Après, à Pont-de-Rouen, c'était pas gagné. Je n'y croyais pas trop, mais bah, voilà, ça fait. J'espère. Jamais 203. Enfin, ouais, clairement. Clairement, enfin, ça fait... Merci pour le micro, hein. La perche, c'est bon, ça. Clairement, ça fait un an. Un an et quatre courses. J'attends. On a fait des podiums. On n'a fait pas de finale de temps en temps, mais on a fait 5 ou 6 podiums. Et non, enfin, c'est excellent. C'est trop bien. C'est un feeling de ouf. C'est juste pour remercier l'équipe qui fait un travail de ouf toute la semaine. C'est un bonheur sans nom. C'est incroyable. Ouais, elle a beaucoup de signification parce que je fais encore un gros bisou à mon pote Geoffrey qui m'a manqué tout le week-end en spotter et peut-être pas gagné d'avance en partant de l'extérieur. Mais après on a fait le taf, on a réglé la voiture correctement pour la finale, elle était vraiment merveilleuse. Et puis ça sort devant quand Steven prend le joker, donc hyper heureux ce soir. Je suis un peu à diesel, je démarre un peu tard et là gagner Pont-de-Rouen, ouais, c'est une satisfaction quand même. Bah, essayer de garder cette dynamique et pas dans les mauvais coups et pas chuter et toujours en finale, faire des bonnes places. Et puis voilà, puis on verra ce qui tiendra.